Yo tout le monde, c'est Thiop, je suis ravi de vous retrouver pour ce 25e épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons l'Egypte. Il me semble 25e, hein, je suis pas sûr non plus. Je suis pas non plus très sûr. On doit pas être long. On doit pas être très long. Allez, on va finir de faire tomber. Ah, on peut pas. Ah oui, je peux le mettre en. D'accord. Quoi dans cette armée? Il n'y a que dalle. Ça me va. On va prendre un réminium. Voilà, proprement. Il devrait prendre Arétium. C'est pas très très grave en soi. Ça va retomber le tour d'après, j'ai envie de dire. Ouais, Arétium, hop. Tu sais quoi? Voilà. A même pas relancer la construction, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, ah, effectivement, on va éviter les bas quartiers. Oh la vache, il y a tellement de villes qui attendent de se faire convertir. Oh la vache. Ah ouais. Ah, ici on avait dit c'était une armée. J'ai pas une flotte là, genre. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fout en plein dans le. Ah non, mais pas. Non mais on va passer par là. Je suis en plein dans. On va se reconstituer. Parlez, j'écoute. Voilà, là. Ça passera pas. Ici, on a de la défense. Oula. Deux belles armées. Hein. J'aimerais bien qu'elles attaquent Palmyre. Juste pour rigoler un coup. Comment? Oui, je comprends. Et, ah oui, armée de Cléopâtre, c'est vrai. On va rajouter une petite cavalerie. Civil. Je me bats pour mon cœur. Ah, ici on a perdu un piqué. Salutations. Ici on est bien, voilà, pas de problème. Plutôt un beau tour. Alors, je tourne un œil. Je vis pour servir Pharaon. Est-ce qu'il se passe par là? Ok, ok. Tous les hommes doivent servir. L'épique qui est en train de tomber tout seul comme un gland. Par la Confédération Celte. Il reste pas grand chose à l'épine. Hein. Oh là 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 là. Ibosim est sa capitale. Tarako est en train de tomber. Oh oui, il est en train de méchamment bien tomber même. Allez, passons le tour. Plus beaucoup de civilisations, hein, mine de rien. On en a fait disparaître un bon paquet. On a gardé les nomades, enfin les tribus du désert. Parce qu'il faut bien quelques coupings. Voilà. On s'entend pas trop mal avec en plus donc. Allez, Cantabres et Mori. Les Cantabres ils sont là, ouais. Ah, il a pas repris à Arétium. Je vis pour servir à vos tâches. Ah ouais, les gars. Pour le peuple. Il donne quoi la suite d'attaque? Ça va, on perd, ça va. On va l'équilibrer. On réduit en esclavage hein, un petit peu, ça fera du bien. L'économie, hein. Allez, résolution automatique, toujours pareil, mode équilibré. Oh, allez. En déplacement. Nous devons aller. C'est pas grave. Ah. J'écoute. Et
s'occuper de cette petite flotte là qui traîne. Hein. Et on se sera débarrassé de... De Pompée. Voilà, en fait, pour le coup j'aurais pu garder ça. Allez, ça on s'en fiche. Ouais. Ici il y a non. T'es en train de regarder mais non, pas besoin. Je voulais mettre en culturel mais voilà. Allez ouais, j'ai rencontré peut-être quelques archis ici. Faire attention quand même aux flottes. Voilà, là ça avance pas. Ça a peur dans le coin. En attendant, les armées qui sont passées donc par la Mésopotamie se font décimer petit à petit par mes alliés. Et c'est surtout ça l'important. On va pouvoir recommencer à développer nos villes, hein, clairement. Donc, pour commencer, j'ai beaucoup de flotte, hein, mine de rien. Voilà, vache. C'est rare des parties où j'ai autant de flotte. Hein. Donc, dans le premier temps, je vais commencer par retirer toutes les unités de mercenaires que j'ai, si je peux. Parce que. Ça coûte cher, moi j'en ai pas. C'est-à-dire ça coûte cher pour pas grand chose, bah j'en ai pas, donc ça me coûte pas cher. Les mercenaires me coûtent pas cher du tout. Hein. Voilà. Et le surplus de flotte que j'ai. Là je vais faire un siège de Massilia. Là je suis obligé de défendre ici. C'est pas du surplus. Les marées, ils sont déjà bien. Ok, ok. Et l'œil du cyclone, je l'enverrai très certainement aussi faire un petit blocus à ce niveau-là, sur 6D. Ouais, sur 6D. Comme ça, je contrôlerai totalement cette mer. Enfin, je la contrôlerai pas totalement, mais au moins, j'aurai pas de risque à y aller, quoi. Moins 40. Bon. Je vais commencer à me préparer aussi hein, à la sécession. Famille grecque. Famille grecque qui n'a pas de. Pas encore de territoire, ça me va. Ça voudra dire qu'il y aura une petite armée quelque part qui va pop. Rien de bien méchant. En fait, c'est ça le truc. Tant qu'ils n'ont pas de territoire. Du coup ça pop sans sans rien. Et dire qu'on s'entend bien avec les familles carthaginoises. En même temps on tape tellement sur la tête des Romains que les familles carthaginoises elles doivent nous surkiffer. Hein. Ah ils nous adorent. Hein. Ok, pas une... Ah si ça. Pompée. Il est temps de te faire disparaître un peu là. Oh. Si, peut-être. Oh. Qui c'est? Ah bah c'est Pompée. Pompeius Magnus. Hasta la vista, Pompée. Oh merde. Bah non, même pas. Ah si, il a cool. Rome de Pompée, vous avez détruit cette faction, ils n'ont pu rivaliser avec votre puissance. Yeah. Ah, c'est ça qui est beau, ça. Bien joué à toi, l'amiral Nessagoras. Pas facile à dire, hein, ton nom. Hein. Tu profiteras de cette victoire pour te donner un nouveau nom. C'est pas ouf, quoi. Allez, et plus que... ces dernières technologies à faire pour avoir toutes les technologies de l'armée.
la Salona, voilà, en cas de attaque de Marcoman. Il semblait assez indécis, hein. Il savait pas trop quoi faire. Donc, bon, je préfère défendre, je préfère avoir quelques armées là en cas où. Ça fera pas de mal. Tiens. Ok. Ici on est comment, on est bien. Hein. Là ça attaque pas, là ça attaque pas. Je pense qu'il va y avoir quelques tours calmes. Voilà ici. Ce sera agriculture à fond. Bétail. Voilà. Et vu qu'on a peu de revenus. Ah oui, j'ai oublié ça. On forme un blocus. Enfin, on a peu de revenus. On a des revenus corrects, mais pas suffisants en vue des conquêtes qu'on a fait. J'ai clairement pas mis assez de côté. En prévision des conquêtes. Bon, faut dire en même temps que Pompée m'a donné un peu de fil à retordre, plus que ce que je pensais. Et c'est très très bien défendu, hein. Bon, pour rappel, on est en légendaire, donc c'est normal qu'ils se défendent bien. Ah, il faut pas oublier bientôt la sécession. Hop, là je sais pas le temps. Voilà, des tours qui se passent plutôt vite. Hein. Voilà, je fais. Je regarde rapidement qu'il n'y ait pas trop d'ennemis dans le coin. Voilà. Voilà. Genre un truc comme ça. Donc, je vais lever un. Je vais rétablir l'héritage, la fierté de cette mec. Voilà, on va peut-être lever une petite armée à Jérusalem. Prévision d'attaque de Petra. Lui, il est là du monde à Dumatu. Donc, il devrait être tranquille. Quoi ? Ah ouais. Ah bah c'est moi. Voilà. Compétences de défense. Oh la vache ! Ah, il avait du niveau le général, hein. Il a dû défendre un endroit, se faire une double bataille, j'ai dû l'oublier en mode tenue coûte trop cher. Et pourtant, il avait du potentiel. Hein. Ah non, j'ai laissé des bas quartiers quelque part. Ah bah zut. Ah bah zut. Ça sert à rien. Je voulais attendre d'avoir la techno, mais ça sera dans trop longtemps. Ah oui. Ouais, ça se passe tout seul. Honnêtement, j'ai envie de faire un test, mais non, il y a ça. Donc, non. Je voulais les emmener en faire une position fortifiée et voir si cette armée les attaquait et si j'y gagnais. Mais j'ai vu lui. Et lui, ça m'énerve. Non, on ne va pas essayer. Ils sont puissants ou ils sont pestiférés? Un sabotage militaire. Ah. Comment puis-je aider, Pharaon ? Ah. Je t'avais oublié, toi. Eh ben, écoute, on fait un peu de ferveur militaire ici. Voilà. Ça augmentera un peu le moral, qui est déjà énorme. Oh la vache. Ah, j'avais pas vu que c'était aussi élevé que ça. Ah. Et là, je peux faire un stratopédon. C'est parti. Plus de stats au recrutement.
J'hésite, car je ne souhaite pas aggraver votre douleur. Tiens donc. Vous devez cependant vous défendre seul. Tiens donc. Je vais rapatrier une armée au cas où. Ça tombe bien, j'en ai une au rab. Je vais prendre cette armée là. Que je vais fusionner avec. Non, ouais. Parce que je suis un peu faible en cavalerie là. Je vais aller à Carthago. Allez hop. Traverse l'Italie, l'ami. Aider sa revenu. Et oui, Cléopâtre, je sais que tu te bats pour ton peuple. Ok, cette flotte, elle a été reconstituée. Bah, je vais aller l'embêter un coup. Lui, ça fait combien de temps qu'il est là? Je sais pas. Je pense qu'Odessos pourra bien se défendre. On y croit, on y croit. Et pour là-bas, que puis-je faire pour l'Égypte ? Monseigneur ! Hop, Ptolémée. Quand même, on va lui donner une bonne armée. Hein. Bon, lui, je l'ai fait lever une armée pour... Ouh, bah alors, et ça se passe pas si bien hein, ici. Hein. Ouais, bon, les minéraux, ils vont reprendre. Je sais pas. Je ne commentais pas grand-chose en unité. Hein. C'est cher tout ça. Pas depuis combien de temps il y a le blocus à Éphèse. Alors, ils ont pas vu un navire depuis longtemps. Puis ceux qui sont sur les navires, ils doivent bien s'ennuyer aussi. Aucun problème. On traverse. Ouais, je te vois venir toi. Hein, la nuit midi là, je te vois venir à 20 000. Ah, bon, on passe sur l'Atium du coup, pas de problème. Sur l'agriculture. De toute façon, ça rapporte beaucoup l'agriculture. Ah. Voilà. Je vais vous servir, Pharaon. Hop, alors, où est-ce que ça en est là? Ah, d'accord. En route, monseigneur. Les faibles. Ok. Là, ok. Ouais, il tient les pieds hein. Il est motivé. Il est pas mal motivé. Puis voilà, on fait un petit chemin, hein, tranquille. Hein, on se déplace pour les blocus. D'ailleurs, ceux qui sont en blocus, hein, ces factions en blocus qui n'osent m'attaquer. Hein. Bon, en même temps, je suis un petit peu fort. Un tout petit peu. Hop, allez. Sécession. Yeah. Enfin,
Car Alice, c'est le repère des malfrats, hein. C'est le repère des sécessionnistes. Hein. C'est génial. C'est que là. C'est... Bah écoutez... Ils ont pas de ville, donc en soi, ils vont être obligés de m'attaquer. Hein. On va les attendre. Et ici, ça va être la reconstitution à Google. Au niveau des objectifs de victoire, je suis à 70 colonies. C'est pas assez. Sûrement conquérir toute cette partie-là. Ça m'en fera un peu plus. Et on verra comment se comporte la Numidie aussi. Voilà. On va se tenir un petit peu plus calme déjà. Les navires, oh, ils sont là-bas. Faites-vous plaisir. Personne ne passera. Ah, j'hésite. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais sur Sinope? Ah, je vais aller sur Sinope, tiens. Bingo. Un petit changement de plan. Ça arrive. Regardez ce navire là qui est là depuis je sais pas combien de temps, qui subit des pertes. Puis qui en subit encore, mais qui reste. Hein. Ah, séparatiste égyptien. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Mal agressif en résolution automatique. Je vais pas m'embêter. C'est mon armée de terminal. Aucun problème. Puis en plus, tant qu'il y a une sécession, moi j'en aurais pas une autre. Quoique. Quoique, tu vois, ce serait à vérifier ça. Hop, allez. Bon, oh, ils sont pas. Non, je vais pas. Ok, la fiole, un peu de nourriture et tout le bazar, c'est parfait tout ça. En Thracia. Ce que je vais faire, c'est qu'apparemment j'ai toujours un. Parlez mon ami, ne vous embarrassez pas de diplomatie. Un pacte de. Trouvons un accord à la manière des hommes simples et honnêtes. Hein? À partir. Écoute, il va partir de chez moi déjà. Les Marcomans. Nous avons du rôti de porc pour vous. Et quoi. Aussi de la bière. On sait ce qu'ils vont faire, bon, les Marcomans. Hein. C'est une question de temps. S'ils s'entendent bien. Oui. En notre nom, soyez accord les bienvenus. Commercial. Et parlez en toute amitié. On peut même je faire un petit une oreille attentive mariage, à vos propos. Tout ça et tout. Comme ça trapie. Oh, ce serait magnifique que ça fonctionne. Alliance défensive. Ouh. Ouais, de vrai, prince militaire. Oh! Cette offre est malheureusement. Voilà. On se met Octave dans la poche. Hein. Oh non, il a amassé des dettes, c'est pas à la famille de payer. Hein. Faut déconner. Hein. Ouais. Quelle idée! Voilà, un bon petit tour. J'ai même pas vérifié si j'avais encore de l'argent à dépenser. J'ai pas du tout fait gaffe. Mais pas du tout. Allez, séparatistes, on croit sur vous. On croit sur vous. Oui, on croit en vous plutôt. Alors, ça va des. Ça va avoir créé quoi du coup comme nouveau parti? Le parti des Gaulois? Le parti des. Parce que là. Le parti romain maintenant qu'on a Rome.
séparatistes égyptiens. Vos forces ont fait mordre la poussière à cette faction. Nouveau parti créé. Les familles partent. Oh bah pff, super, je suis en guerre contre eux. Putain. C'est... pas. Ok. Continuons les constructions. Non, c'est bien. On a un petit revenu de. On a un petit revenu là qui augmente quand même, hein, qui arrive. Ça fait plaisir. Là, j'irais bien à Suse, mais. Ah. Que fais-tu là? Bah, tu la reprends quand tu veux, sinon ta ville. C'est quoi ces gars là? Ah ouais. Ah. Allez-y les gars, attaquez. Y'a pas de problème, au contraire, attaquez les gars. Putain. Vous voyez, on est 30 contre 60. En comptant les unités de d'artillerie et tout le bazar. Hein, donc, Ah. Ouais, j'ai de la perte à cause de. Oh, j'ai de l'usure, mais je vois pas de. Mise en place du blocus. Demi-tour. Du coup, on va partir. C'est pas bon pour moi, ça. Bah, vous savez quoi, je vais aller piller, je vais piller. Hein. Ah, ça rapporte bien, dis donc. Ça rapporte 700. Hein. C'est pas mal du tout, 700 en vrai. Ça y est, ils ont repris leur territoire ici. Ah zut, j'ai encore oublié des bas-quartiers. Flûte, c'est pas grave. Latium, voilà. J'ai plus besoin d'avoir des armées maintenant pour les gars. Et par contre j'ai une armée Africa. Voilà. Parlons de ça. Ouais, au niveau des revenus, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Il est perdu lui. Il est perdu. Je ne suis personne. Hop là, saboteur ou mortel. Ouais, mortel, c'est bien. Comment puis-je vous servir? Ok, c'est la Confédération Celte qui a fait tomber. Arakilum, ça c'est bien aussi. 6 tours avant édition, la vache. Les fils de Marem. Vous êtes un peu loin les gars. Ouais, toujours des armées, hein. Beaucoup d'armées. Hein. Toujours plus. Ah bah, une de plus. 80. Allez les gars, attaquez là, vous êtes 80 contre 30. Putain, vous êtes au moins à 3 pour 1. Attaquez Antioche quoi. Montrez que vous valez quelque chose. J'ai même pas de piqué. Donc je peux même pas faire ma technique habituelle. Allez les paradènes, on les encourage hein, parce que ils en ont besoin je crois,
Allez les paraden. Ils ont vraiment besoin, ils sont très très peur. Allez les paraden. Allez les paraden. Ouais, j'ai cru il s'est approché un petit peu et non. C'était juste faire une feinte. Faction détruite. Ah, les cantabres, c'est bien ça, il n'y a plus de cantabres. Les tours se passeront plus vite. Allez, un petit dernier. Un petit dernier tour. L'agriculture, bien évidemment. L'agriculture et de la technologie, enfin du... je sais plus comment ça s'appelle. De la culture, de revenus de culture. Ouais, une classique. On est méchant ici. Ok. On encourage encore les paradènes, les gars. Ah. On vous encourage, mais bientôt. Attendez, hein. Soyez patients, les gars. Voilà. Allez, les paradènes. Allez, les paradènes. J'ai de l'espoir à un moment. Oh, bah si. Ah mais si, on m'attaque, c'est bien ça. Ah, bah tiens, un peu d'esclavage. C'est quoi, c'est Alaria ça? Ouais, c'est Alaria. Alaria, pardon. Ouais, mais ça dépend aussi, dans certains modes de jeu c'est Alaria, dans certains modes de jeu c'est Alalia, dans l'autre c'est Alaria. Alaria, pardon. Alalia, 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 Alaria, Alaria. C'est beaucoup de IA. Allez les paradènes. Ils veulent pas. Hein. Les paradènes ne veulent pas. Ah. Ah. Tiens donc. Ah non. Andios. Ah c'était un des frères en plus je crois de Cléopâtre, non? Donc j'aurais dit un des fils, mais c'était qui? C'était qui ce gars? Il est mort de vieillesse, mais je sais pas qui c'est. C'était un des fils adoptifs à 79 là. Ah ouais quand même. Oh, il a fait un bel âge hein. Par contre, je vais adopter Glicky. On sait jamais. Quel âge elle a Glicky? 63 ans, ouais, ouais, ouais. Un peu plus jeune que Cléopâtre qui a 65 ans. 1000 combien? 1007 de gravitas. Ouh là là là, Cléopâtre, tu déconnes zéro hein. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver demain pour le prochain, donc l'épisode 26, il me semble. Allez, c'était Thiam. Ciao.